Salut à tous, bonjour à tous. Oh là là, cette musique m'avait manqué. Salut à tous, c'est Magic 972. Ça fait au moins 1000 ans que j'ai pas commenté de vidéo, simplement parce que j'avais pas de micro et j'ai retrouvé un petit micro d'ailleurs. Je vous parlerai de ça tout à l'heure. Bref, salut à tous, c'est Magic 972. On se retrouve aujourd'hui pour le commentary d'un top 10 pour Code QG. On est vendredi, si je ne m'abuse. Un top 10 Ninja Defuse. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un Ninja Defuse avant de commencer? Un Ninja Defuse, c'est quand vous êtes en recherche de destruction, l'ennemi pose la bombe et vous désamorcez la bombe sans que l'ennemi s'en rende compte. Et vous allez voir que ça peut être assez marrant, assez impressionnant, assez bandant, si on ose utiliser des termes un peu sexuels. Donc tout de suite, la 10ème place avec Blackwater Comp, qui est sur la map Libération du premier DLC de Modern Warfare 3 et qui Ninja Defuse. Face à deux ennemis avec un drone activé, bravo à toi mon ami. Je suis pas tout seul d'ailleurs aujourd'hui, je suis avec Kamens qui me fait des petits gestes sexuels à côté. Mais plutôt mignon. Bref, 9ème place, on retrouve Bruninho, 75, alors peut-être qu'il est portugais, Bruninho, Bruni, un petit jeu de mots avec des Brugnons et Bruno, bref, on s'en fout. Je suis un petit peu enrhumé d'ailleurs, qui est sur la map WMD sur Black Ops et qui va defuse. Tu sais ce que c'est un ninja defuse d'ailleurs? C'est quand tu désamorces tel un fourbeau en crédit, exactement. Et qui va désamorcer face à un ou deux ennemis, je ne sais plus, et l'ennemi pose une clé mort juste sur lui, et donc c'est un petit peu buggé, je ne sais pas. En tout cas, bravo à toi, Bruno75, à la 8ème place. On retrouve XA3 Reapers avec 2Z. J'hésite à commenter son Ninja Defuse juste pour son gamer tag, mais je vais le faire quand même. Qui est sur la map Résistance de Modern Warfare 3. Et qui va faire un defuse assez spécial étant donné que le joueur il va se coller à la bombe. Donc X-Reaper se colle à la bombe et l'ennemi ne le voit pas. Bravo à toi Reaper. À la 7ème place on trouve David P90. Qui est sur PC, qui joue sur PC sur la map Lockdown, il me semble, sur Modern Warfare 3, et qui va nous faire un Ninja Defuse tout en finesse, tout en substitution, tout en subtilité, tout en fourberie de scapin, et qui va désamorcer très discrètement, enfin du temps pour faire un Ninja Defuse, vaut mieux être discret, comme on lit. Et bah bravo à toi David P90, ça fait un très beau Ninja Defuse. D'ailleurs j'ai pas l'habitude de commenter ça, j'ai pas l'habitude de faire ça, ça serait bien que j'essaye un jour, maybe, I don't know. Donc à la 6ème place que je m'y perds pas, on retrouve Tombrox et qui va c'est assez marrant parce qu'il va désamorcer en Ninja Defuse en bloquant l'ennemi qui était allongé. Vous savez, quand vous êtes allongé et que vous avez un truc contre les jambes, vous ne pouvez pas bouger, enfin vous ne pouvez pas vous relever et bouger sur le côté. Regardez, ça fait un peu d'ailleurs film de cul, tu trouves pas? Non. C'est un peu sexuel en fait les Ninja Defuse, c'est un rapprochement de deux corps tout en fine. Ça te plaît ce que je dis? Bref, à la 5ème place, on retrouve Flo Ace, ou Flo As, je ne sais pas d'ailleurs, je parle de sexuel, on entend Flo As, bref. Flo As 60 qui est sur la map Ares sur Black Ops, et qui va nous faire deux Ninja Defuse dans la même partie, ce qui est assez impressionnant. Un, c'est déjà pas mal, et il se dit j'en fais un, ça va, et il en fait un deuxième. Alors, pour savoir pourquoi il a son insertion tactique dans les mains, c'est que quand vous voulez faire un Ninja Defuse, et il faut se faire passer pour un cadavre pour pas que l'ennemi vous remarque. Et soit vous faites des double Y ou double triangle, soit vous tenez une insertion tactique ou je ne sais quoi d'autre. Corrigez-moi si je me trompe, ou complétez ma phrase, complétez mon explication. Je suis tout oui à vos commentaires. Donc bravo à toi, Flo As, à la 5ème place. À la 4ème place, on retrouve Diffuse Gold Digger 63 qui est sur la map mode map Invasion. Ou invasion, ça dépend si on est plutôt anglophone ou francophone. T'es plutôt anglophone, francophone? Toi t'es qu'un riffon, d'accord, c'est du côté outre-Atlantique, voilà, n'est-ce pas. Qui est sur la map Invasion sur Modern Warfare 2, qui va nous faire un Ninja Defuse dans la même partie, en 1v2, donc il va nous faire deux Ninja Defuse dans la même partie, donc le premier en 1v2 et le deuxième en 1v5, ce qui est plutôt impressionnant. Donc là c'est le premier, des amorces en toute discrétion d'ailleurs, comme c'est marqué sur l'écran, comme vous pouvez le voir, avec un magnifique bonus de manche de 1608, et en 1v5 il a tenu à nous préciser, ce qui est plutôt impressionnant, sachant que pour les ceux qui ne savent pas que dans les équipes de Call of, enfin dans les équipes de match de Call of Duty, on n'est que 6, donc ça veut dire que il était tout seul face à 5 ennemis, ce qui est plutôt impressionnant. J'aimerais bien lui faire des trucs avec ma bouche d'ailleurs, ça pourrait être sympa. Est-ce que je suis en train de... On rentre dans le top 3 tout de suite avec Pit90 ou Pit90 qui est sur la map World at War, la map comment ça s'appelle déjà cette map, Mackin Day, je ne sais plus, Mackin je crois, ou Mackin, je sais plus, qui est sur World at War. Alors World at War qu'on n'a plus l'habitude de voir et qu'on n'a pas eu beaucoup l'habitude de voir d'ailleurs, et qui va nous faire un Ninja Defuse assez courageux,
assez bronze, like a boss, comme on dit. Parce que il y a je sais pas combien d'ennemis autour de lui, avec cette petite bombe qui est ma foi plutôt ancienne, old school, vintage, hipster si j'ose dire. Et il va désamorcer sous les yeux trois ennemis, il me semble, ou deux, je ne sais plus, mais déjà deux c'est pas mal, trois c'est encore mieux. Bravo à toi, Pic 90. Deuxième place, CNC Ninja Pero. Bref, il est sur la map Array de Black Ops, encore une fois la map Array. Et il va une sorte de petite humiliation étant donné qu'il va tourner alors qu'il y a trois ennemis autour. Regardez, un, deux, trois, on les voit, l'autre qui est en train de faire une pas de prasse administrative. Il prend la bombe et il tourne pour leur dire « j'y suis là, mais vous ne m'aurez pas qu'elle le tourne. » Comment s'appelle la chanson ?« Mais fait tourner, la tête, c'est la fantasy, c'est Ninja Pero. » Bravo, bravo à toi mon ami. Et à la première place, on retrouve Shadoon 666. Alors, préparez-vous, c'est une très belle première place. Donc sur le premier clip, il est sur la map Crisis de Black Ops. Il va humilier cet ennemi en s'allongeant à côté de lui de manière assez peu conventionnelle. Regardez, moi je trouve que c'est assez sexuel quand même les Ninja Defuse. Hein. Regardez, vous rampez, vous... Ouais, enfin, je sais pas. C'est assez bizarre quand même, pour ceux qui connaîtraient pas, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Donc il va faire un petit Ninja Defuse très sympathique après avoir humilié l'ennemi. Bon, il va se faire tuer, mais ce n'est pas grave. Et le deuxième clip sur la map Summit sur Black Ops, encore beaucoup de neige hein, dans ce top 10, qui va nous faire une rotation. Regardez bien, c'est assez marrant. Donc là, non, pardon, c'est le ralenti du premier clip, je me suis mépris complètement. Le deuxième clip, c'est parti, il est sur la map Summit. C'est assez impressionnant, parce que moi, personnellement, je me serais pris ça, il fait une rotation, enfin un 360, ou 720, ou 1080, je ne sais plus, avec un RPG, il tire, et il ose quand même se pointer vers la bombe avec pour faire un Ninja Defuse. Je veux dire, à ce niveau-là, on n'est plus dans l'humiliation, on est plus dans la mise à mort, quoi. C'est carrément une mise à mort, quoi. Et ben voilà, on voit un petit ralenti au studio de la vue de l'ennemi qui était complètement dans les choux. Et ça faisait, ma foi, longtemps que je n'avais pas commenté pour vous, les amis. C'était Magic 972, j'espère que ce top 10 vous aura plu. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, j'ai récupéré un micro, ça que je voulais dire, qui est un petit Triton AX Pro, oui monsieur. Et malheureusement, en fait, j'aimerais bien reprendre les vidéos, mais je ne sais pas comment faire de live commentary avec, quel branchement il faut que je fasse. Donc si vous savez, n'hésitez pas à envoyer des messages, la chaîne sera sûrement dans la description ou sur la vidéo. N'hésitez pas, d'ailleurs je sais pas pourquoi on dit n'hésitez pas, genre peut-être que vous hésitez à commenter, vous ne savez pas si vous devez le faire. N'hésitez pas à commenter. Aimez la vidéo, la partager, la mettre en favori. Kamel est en train de me caresser la jambe, c'est plutôt agréable. bravo à la première place. À la première place qui est Shadoon 666 qui a gagné une place dans la subbox de Code QG pendant une semaine. Et le prochain top 10, les amis, ça sera un top 10 killcam. Sur tous les Call of Duty, sur toutes les armes. Donc n'hésitez pas à envoyer votre clip à l'adresse codexqg@gmail.com. Et sur ce, les amis, c'était Magic 972, je vous dis peace, à très bientôt, portez-vous bien, bisous.